aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte da cui viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Attendez à applaudir parce qu'on n'a encore rien dit. Bienvenue à cette rencontre pour la 43 occasion de rencontre et qui doit rendre hommage avec un geste de gratitude à Don Giussani. Sans sa vie et sa témoignage, le meeting n'existerait pas. C'est la raison de ce moment-là de dialogue. Et la raison de ce moment est la publication d'une anthologie des textes écrits par Don Giussani, dont le titre est « Aux racines d'une histoire », que l'édition Rizzoli, une édition qui à partir de 1993 publie sans arrêt les œuvres de Giussani, voulait offrir comme hommage à l'un de ses auteurs les plus significatifs. Don Giussani a vécu le christianisme
il a témoigné. Et grâce à sa témoignage, avec sa témoignage, il n'a laissé personne indifférent. Les croyants et les non-croyants. Et même ceux qui n'étaient pas intéressés à la foi, s'est vu défié par une proposition chargée de signification. Mais Don Giussani est mort en 2005. Et aujourd'hui, il a encore quelque chose à dire. Sa témoignage et sa proposition de vie, elle peut encore rejoindre les hommes et les femmes de nos jours. C'est les temps de l'incertitude. Donc, c'est encore possible de donner une contribution au chemin qui peut être fatigant ou moins fatigant de chacun de nous. Est-ce que c'est encore possible d'accompagner une génération et d'un sujet humain pour l'aider à faire face aux défis quotidiens, pour donner une contribution à la vie sociale et publique de l'Église? Aujourd'hui, on va parler de ce thème avec trois invités. Le premier est Massimo Turchetta et il est le directeur général de la Rizzoli, auquel on doit ce livre. Merci. Bonjour et merci. Et il est à distance, il n'est pas ici avec nous. Et il a dû réserver un centre de congrès parce que c'est le seul lieu où il avait une connexion Internet. Et il ne sera pas remboursé. Le deuxième invité est ici avec nous, Don Luigi Picocco, il est un prêtre. Il est prêtre, théologien et écrivain. Il a été nommé assistant spirituel de Dicaster pour la communication et éditorialiste de l'Observateur romain. Et on le remercie d'être avec nous. Et finalement, le président de la Fraternité de Communion et Libération, Davide Prosperi. Avant de commencer le dialogue, je veux saluer aussi Lucio Lorenzi de la Burgurti, qui est ici avec nous, et je veux le remercier parce que dans ces dernières semaines, il a dû faire un grand effort, avant tout pour publier le premier des trois volumes d'études scientifiques concernant la pensée scientifique de Giussani. Et il l'a fait juste en temps pour la présentation ici au meeting qui a été dimanche dernier. Et le deuxième pour avoir permis à la presse la publication du livre de Perillo sur Rose et ses femmes de Kampala. Et donc on le remercie et bienvenue. Mi ha molto colpito. J'étais vraiment frappé par le fait que Manuela Grappiati, éditrice de la Rizzoli, qui s'est chargée de la sélection des textes de Don Giussani qu'on trouve dans les livres qu'on vient de publier, le fait qu'elle a choisi comme premier texte un extrait dans lequel Giussani raconte comment tout a commencé dans sa vie. L'extrait s'appelle le bel jour. Et je veux commencer en lisant quelques lignes que je pense elles sont adéquates pour nous introduire à ce que les invités vont dire. Pour moi, tout s'est passé comme la surprise d'un bel jour. Quand un professeur de la première année du lycée, quand j'avais 15 ans,
a lu et a expliqué la première page de l'évangile de Saint Jean. Le Christ s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire, tout ce, la valeur, la signification de tout est devenue chair. Et donc la beauté est devenue chair. La bonté est devenue chair. La justice est devenue chair. Et l'amour, la vie et la vérité se sont fait chair. L'être ne se trouve pas dans un monde platonique, mais il s'est fait chair. Il est un entre nous. Je me suis donc rappelé à ce moment-là d'un poème de Leopardi que j'avais étudié pendant un mois quand je faisais la troisième année du lycée. Et il s'appelle à la sua donna. C'était un hymne, ce n'était pas l'une des plusieurs femmes et des amantes, mais c'était la découverte qu'il avait fait du fait que ce qu'il cherchait dans la femme aimée, c'était quelque chose qui allait au-delà de la femme. Et à ce moment-là, je pensais que Leopardi avait été 1800 années après la question, la recherche d'un fait qui s'était déjà passé et dans lequel Dussani donnait l'annonce. Voilà, c'est tout. Parce que quand j'étais très jeune, ma vie a été complètement prise par ça. Donc les moments, l'instant présent, à partir de ce moment-là, n'était pas quelque chose d'évident pour moi. Tout ce qui était beau et fascinant comme possibilité, trouver dans ce message-là sa signification. Comme la certitude d'une présence, d'un espoir, du fait que tout pouvait être un laisser. C'est une découverte qui ne va plus abandonner Don Giussani. Et donc, quelle est cette découverte? La grandeur de la foi chrétienne, sans aucune comparaison avec d'autres oppositions, est celle-là. Christ a répondu à la question humaine. Et donc, ceux qui acceptent la foi et ceux qui n'ont pas la foi ont un destin en commun. Et ceux qui n'ont pas la foi souffrent dans la question et vivent d'espération dans la question. C'est l'origine de la profonde passion pour l'homme, n'importe qui soit cet homme, et donc n'importe quelle condition il se trouve. La foi en Christ le rend passionnant vers ceux qui souffrent dans la question. La force de Don Giussani, en fait, était dans la conscience qu'il avait été pris pour toujours, par un autre, avec le 1 majuscule. C'était la puissance de la vie du Christ dans sa vie qui lui permettait d'écrire à 24 ans le fait que la joie la plus grande de la vie de l'homme est celle de entendre le Christ vivant dans les chairs de sa propre pensée et de son corps. Quelque chose qui est présent et qui est vivant. Ce n'est pas un souvenir du passé. Voilà pourquoi il a passé toute sa vie pour le communiquer. Et il l'a fait à travers un grand geste de charité qui a été sa vie complètement consacrée à l'éducation de la personne. Une éducation qui pouvait permettre à toutes les personnes de rester face à la réalité comme protagoniste. Par exemple, même un garçon qui travaille comme bénévole au meeting. Et voilà pourquoi, à la moitié des années 50, il voulait montrer l'utilité de la foi pour vivre la réalité de tout le monde.
et le premier jour d'école. Et il a dit, le premier jour d'école, et je ne suis pas ici pour vous convaincre que vous savez déjà les choses dont je parle, mais pour vous enseigner une méthode pour vérifier ce que je dis, c'est vrai pour vous. Donc, quelle estime il avait pour la personne et pour la liberté de l'autre, avant de lui donner, de lui laisser la méthode pour faire une vérification. Et comment il indique le chemin pour la vérification? Il invite à comparer tout ce qu'on lit et on voit avec le cœur, avec celle qu'il appelle l'expérience élémentaire, quelque chose d'objectif qui se trouve à l'intérieur de notre cœur. Et comment il l'a décrit? Il l'a décrit comme un ensemble d'exigences et d'évidences avec lesquelles l'homme est projeté à l'intérieur d'une comparaison avec tout ce qui existe. On pourrait donner plusieurs noms à ces exigences, mais on peut les résumer avec quelques expressions. Exigence de vérité, exigence de bonheur, exigence de justice et beaucoup d'autres. Et c'est ça qui a fait de Don Giussani un protagoniste. Parce que pour lui, la foi et la rencontre avec le Christ n'étaient pas la fin d'une aventure. Au contraire, il a introduit en lui la conscience de la dramaticité de la vie. Voilà pourquoi, après, il avait un peu plus que 20 ans, il écrivait « Moi, je ne veux pas vivre inutilement. C'est ma peur la plus grande. » Et donc, qu'est-ce que c'est pour lui l'utilité de la vie? La vie pour le bonheur des hommes. Désormais, je ne pleure plus que pour deux raisons. La pensée du malheur éternel des hommes, la pensée du malheur terrain des hommes, qui est symbole du malheur éternel. Donc, une passion grande pour l'homme. Voilà pourquoi il regardait tout le monde avec sympathie, dans un dialogue avec le cœur de l'homme et des femmes et des jeunes qu'il rencontrait, sans aucune peur du monde. Au contraire, il était complètement engagé dans le monde parce qu'il était vraiment certain de ce qu'il avait reçu. Donc, j'ai parlé déjà beaucoup et donc je voudrais laisser la parole à Massimo Turchetta, qui est le directeur de l'édition Rizzoli, qui publie Don Giussani depuis longtemps. Donc Massimo, dans l'introduction au livre qu'on vient de publier, on lit Don Giussani a été le plus grand éducateur des années 90. Chacun de ses textes arrive au cœur de nous, qu'on est les lecteurs. Et il change complètement la manière de penser. Il a introduit une étincelle d'une nouvelle connaissance. Pourquoi tu as fait cette sélection? Et pourquoi un grand éditeur laïque considère comme utile la pensée et la proposition de Don Giussani en ces précis moments historiques? Et en d'autres mots, à quel besoin, d'après vous, il répond? Merci. Merci Alberto. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Avant de répondre, j'aimerais dire que je suis très fière de pouvoir être avec vous, même si c'est seulement à distance, et de rencontrer, de représenter d'une certaine manière, non seulement la présence de l'édition Rizzoli, mais de toute la maison Mondadori dans cette très importante occasion. Je réponds d'abord à ta question. Pourquoi est-ce qu'on a considéré comme important et même indispensable de publier Giussani?
le désir de rendre témoignage des étapes principales qu'il a parcourues. C'est ce qui a donné l'origine à ce livre et qui a donné sa forme à ce livre. On en a parlé parfois ensemble. J'aime penser au fait que dans la raison de l'éducation, il y a une attention pour le monde, et notamment pour le monde qui n'a pas la foi. Par exemple, juste après le passage que tu as cité et qui parle de ce beau jour, il y a un passage sur la négligence du moi où il dit que l'obstacle suprême dans le chemin de l'homme, c'est le manque d'attention pour l'homme. On dirait une attention qui... C'est l'attention qui semble raisonner dans les textes de la littérature. Héraclite lui-même parlait de l'attention constante envers la vie, le fait d'être vivant et non mort. C'est un message que Don Giussani donne constamment et qu'on retrouve dans cette anthologie. Et puis il y a aussi un élément qui revient et qui me plaît particulièrement, que je tiens particulièrement à souligner, notamment parce que nous avons la présence de Luigi Maria Epicocco, ce prêtre qui dans son livre a affronté les thèmes de l'éducation et de l'accompagnement. Si je peux citer un auteur qui m'est très cher, le psychologue Hillman, qui, dans une conférence, dit que seuls les Juifs peuvent se permettre de raconter des blagues sur les Juifs. Et alors, il raconte cette histoire d'un père juif qui dit à son petit garçon de monter sur une échelle et de se jeter de la deuxième marche et qu'il l'attrapera. Donc l'enfant le fait, puis la même chose au troisième rayon de l'échelle et l'enfant est encore heureux. Puis le quatrième, puis le cinquième, son père l'attrape à chaque fois. Et finalement, il arrive au sommet de l'échelle et là, le père ne le récupère pas. L'enfant tombe, il pleure. Et Hillman conclut en disant: il y a un aspect que seuls les Juifs peuvent dire, c'est-à-dire ne fais jamais confiance à un Juif, même si c'est ton père. Ça, c'est la partie la plus comique de la plaisanterie. Mais la deuxième vérité, beaucoup plus profonde, c'est que pour grandir, il faut apprendre à laisser la main qui t'accompagne jusqu'à ce moment-là. Et ça, c'est un élément fondamental de la croissance. C'est une expérience de relation. Et donc, il faut aussi, en quelque sorte, accompagner et laisser aller. Et laisser aller, c'est l'acte de croissance le plus important. Avoir confiance même dans les erreurs de l'autre. Et c'est pour cela que la présence d'Epicocco et ce qu'il dit d'aîné et de son fils, du fils d'aîné Ascagne, et donc il doit lui lâcher la main et le laisser aller. Et je crois que dans cette action de laisser aller, il y a beaucoup de ce qu'est l'enseignement vivant de Don Giussani pour des croyants et des non-croyants. C'est-à-dire une confiance en l'homme qui permet d'intégrer l'expérience relationnelle, y compris de l'éloignement et du retour. Et pendant les premiers mois de la pandémie, tu as écrit au moment où tout le monde ne comprenait pas ce qui s'est passé, on était tous confus, et le pape a bien souligné cette condition de l'homme, qu'on était tous sur le même bateau. Et tu as écrit que le problème principal n'était pas de survivre à la pandémie, mais c'était de comprendre qu'on ne peut plus
pousser à demain la grande question des significations sur la vie. La question que la pandémie était en train de nous redonner, nous poser à nouveau. Le pape nous a rappelé plusieurs fois ça. Par exemple, une fois, il a dit « La grave menace est la perte du sens de la vie. » Et donc, pour la rencontre que tu as faite en distance, parce que tu n'as jamais connu Don Giussani, je te pose la question. Quelle contribution a donné et peut encore donner Don Giussani concernant le chemin de la solution sur la question de la signification dont tu parles? Et qu'est-ce que Giussani dit à toi, tout d'abord? Grazie. Alors, pour commencer, merci. Je veux exprimer ma gratitude parce que je crois que cela ne va jamais de soi de se trouver face à quelqu'un qui te donne la parole, qui se met dans une attitude d'écoute. Et donc je remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour partager ce moment. Et je voudrais faire une brève introduction, un bref préalable sur l'itinéraire que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je pensais qu'il y a un geste qui est déjà présent dans l'Église au départ. Quand on veut rencontrer quelqu'un, quand on veut avoir quelque chose de crédible sur quelqu'un, on s'adresse à ceux qui ont réellement rencontré ces personnes. Il n'y a pas de témoin plus crédible que ceux qui, comme le dit Saint Jean, ont touché, ont fait l'expérience directe de cette personne, de cet événement. Et pourtant, nous n'y pensons jamais, mais l'Église, dès le départ, en nous racontant l'histoire de Jésus, ne se contente pas de recueillir le témoignage de ceux qui l'ont rencontré directement. L'Évangile ne se contente pas d'être le récit de Matthieu ou de Jean qui ont effectivement eu une expérience de près de leur maître Jésus. Mais les Évangiles contiennent aussi les récits de Marc et de Luc, des personnes qui l'ont peut-être à peine rencontré ou qui ne l'ont peut-être pas vu de leur vie, cette personne, mais qui l'ont rencontré en un sens à travers ses disciples, à travers ce circuit de relations que cet homme avait créé. Et ces témoignages, elles sont considérées crédibles même s'ils ne sont pas directs. C'est à partir de là que je prends le courage de pouvoir dire quelque chose ici sur Don Giussani, même si je ne l'ai jamais rencontré en personne. Même si je ne l'ai jamais regardé dans les yeux, je ne lui ai jamais serré la main, je n'ai jamais entendu directement sa voix. Mais en un certain sens, j'ai pu le rencontrer comme Marco a rencontré Jésus ou Luc, à travers la contamination de ses amis, de ceux qui l'ont entouré. Et donc j'espère que ce que je pourrais vous dire ce soir est une crédibilité, pas parce que moi je suis crédible en soi, mais parce qu'humblement on peut se mettre à l'écoute de quelqu'un qui est extérieur, de quelqu'un qui n'a apparemment rien à voir avec ce qui est clair pour beaucoup d'entre vous parce que vous l'avez rencontré personnellement et directement dans votre vie. Mais pour être encore plus sûr, je voudrais que mon intervention soit contenue entre deux parenthèses qui l'embrassent en quelque sorte. Parce que quand je réfléchissais à ce que je voulais vous dire ce soir, je ne cessais de repenser à un verset de l'évangile de Saint Jean qui se situe en réalité dans un moment touchant de l'évangile. C'est la nuit et Jésus rencontre un disciple nocturne, Nicodème. Un homme qui ressemble beaucoup à l'homme contemporain, un homme qui se pose des questions mais qui ne veut pas assumer à la lumière du soleil la responsabilité des questions qu'il se pose. Et à Nicodème lui-même, Jésus adresse ses paroles. Voilà ce qu'il dit. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en va de même de quiconque naît de l'esprit. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que quand nous pensons à Don Giussani, nous pensons à un homme qui est né d'en haut, qui est né de l'esprit.
un homme en qui a agi l'expérience d'un charisme, c'est-à-dire l'expérience de l'esprit. Et dans l'histoire de l'Église, nous savons que chaque fois qu'il y a une tentative pour emprisonner l'esprit dans un contenant, dans une case, toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. Même notre tentative de vouloir enfermer Giussani dans une case est vouée à l'échec elle aussi. Parce que, étant donné que c'est un homme qui est traversé par l'esprit, par nature, il est insaisissable. On ne peut pas le mettre dans une case. On ne peut pas trouver une formule qui dise tout de cet homme, parce que cet homme reflète en lui la liberté de l'esprit, dont on ne sait pas d'où il vient ni où il va. C'est quelque chose qui produit une nouveauté constante. Et c'est important que la parabole existentielle de cet homme se conclue en 2005, mais que la force de cette traversée de l'esprit dans sa vie continue à nous surprendre, à nous émerveiller. Et elle devrait continuer à nous convertir, c'est-à-dire à nous faire revenir à la réalité fondamentale qui a mû, qui a fait bouger sa vie. Et nous sommes tentés de la cristalliser, de la formuler, de la renfermer. Parce que nous pensons que pour pouvoir la transmettre aux autres, il faut reproposer une formule. Mais il n'y a pas de formule. Il y a simplement le fait de se laisser évangéliser par un témoignage qui n'a pas seulement été libérateur pour lui, mais libérateur aussi pour toutes les personnes qui l'ont rencontré. Et ça a été le cas aussi un peu pour moi en relisant cette anthologie qui a été publiée de façon très savante par les éditions Rizzoli. J'ai lu cette sorte de pot-pourri de ses pensées et j'ai fait résonner en moi ce qu'était l'effet de Giussani dans ma vie. Et à commencer par ma vie chrétienne, je peux dire quelque chose, pas parce que je suis un prêtre, ça pourrait n'avoir pas d'intérêt, mais parce que je me sens baptisé profondément chrétien, profondément attaché au Christ. Alors il y a quelque chose qui, en lisant Giussani, m'a paru évident. Et c'est quelque chose qui devrait peut-être être provocateur pour chacun d'entre nous. La première chose, c'est que quand on lit Giussani, on ne lit jamais une personne qui résonne de façon abstraite, mais on a toujours l'impression de quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un. L'écriture de Giussani, c'est toujours l'écriture qui a les yeux dans les yeux de quelqu'un, du lecteur, de l'interlocuteur, d'une personne concrète. Et vous savez, ce n'est pas quelque chose de banal, parce que bien souvent, même en tant qu'Église, on s'est renfermé dans de grandes réflexions qui fonctionnent dans l'abstrait, mais qui ne savent plus tutoyer les gens. C'est-à-dire que les gens ne se sentent plus impliqués, comme s'ils n'étaient pas acteurs dans cette discussion, comme si cette vérité qu'on écoutait, on l'écoutait à la troisième personne. On lit Giussani et on lit un homme qui a le courage de dire « Alors que je faisais des études de théologie, à un moment donné, ces études ne me disaient plus rien. J'avais besoin de revenir au milieu des gens, au milieu des jeunes. » Comme s'il voulait nous rappeler qu'il y avait quelque chose de plus intéressant que de dire quelque chose d'intéressant. Mais c'est d'apprendre l'alphabet à travers lequel on peut dire quelque chose d'intéressant. Et cet alphabet ne naît pas du fait que l'on dit quelque chose, mais surtout du fait qu'on se met à l'écoute de quelqu'un qui parle. Giussani me semble être l'éducateur qui comprend qu'il y a une priorité qui passe encore avant la réflexion ou le geste éducatif. C'est celui qui est devant toi. On ne peut pas offrir une réponse à quiconque si on n'accorde pas de temps à la personne qu'on a en face pour qu'elle puisse formuler une question. Et notre anxiété à tous, et l'anxiété évangélisatrice qui traverse parfois l'Église, c'est celle de courir immédiatement, d'aller immédiatement à la réponse. Et je crois que cela témoigne notre manque de foi. Parce que quand une personne se précipite vers la réponse et qu'elle a la nostalgie de dire constamment la réponse, sans laisser la place adéquate à la demande, c'est-à-dire à la crise, à l'inquiétude, c'est parce qu'il ne croit pas vraiment à cette réponse. Et donc, il veut survoler rapidement la demande, l'interrogation.
Alors, éduquer, ce n'est pas tellement répondre à la question, mais aider les personnes à se poser correctement la question. Et ça, c'est la deuxième caractéristique que j'ai ressentie en lisant Giussani, la radicalité. Il faut dire le vrai, Don Giussani est un extrémiste, au sens qu'il porte de façon radicale les questions à leur racine ultime, c'est-à-dire que ce que tu penses, ce que tu te demandes doit arriver à sa racine profonde. Et c'est la seule manière pour que la vie repose sur quelque chose de fiable. Mais nous vivons dans un monde qui a développé une pensée que je qualifierais de divertissement. Et parfois même une certaine forme de pastorale que nous développons est une pastorale de divertissement. Ce n'est plus une action qui aide les personnes à aller à la racine, à la radicalité de leurs questions. Ce que tu citais tout à l'heure au sujet de la pandémie, c'est quelque chose dont je suis absolument convaincue. Parfois, nous avons besoin de rencontrer quelque chose de terrible, parfois une tragédie, pour être en quelque sorte forcés à nous poser de façon radicale la demande, l'interrogation de la vie. Est-ce qu'il faut en venir à une tragédie pour devenir profond, radicaux? Que signifie éduquer si ce n'est ne pas attendre nécessairement quelque chose d'extrême, mais être toujours prêt, amené à regarder dans les choses de façon décisive, donc radicale? Donc lorsqu'on arrive à la racine de quelque chose, on peut construire sa vie sur cette chose, mais tant qu'on n'arrive pas à la question fondamentale, tout reste provisoire. Je veux vous citer une expression de Don Giussani à ce sujet. Voilà ce qu'il écrit. Le mot chrétien est le mot dans lequel a été révélé son véritable objet, qui n'a rien, qui n'annule rien, qui ne rejette rien, mais qui dévoile la vérité de toute chose. Tout révèle, qui révèle tout comme signe de soi. Cela peut sembler quelque chose de vrai, mais peut-être de difficile à comprendre. Et Don Giussani nous conduit au troisième point que j'aimerais partager avec vous, à savoir la nécessité du dialogue. Vous savez, mes amis, nous ne dialoguons pas parce que c'est la mode ou par émulation. Nous ne dialoguons pas parce que nous voulons avoir une attitude séductrice vis-à-vis du monde et des autres, en pensant que la séduction d'un certain dialogue pourrait nous aider à atteindre nos buts. Ça, c'est pas le dialogue. Le dialogue, c'est être convaincu, comme le dit saint Paul, que tout a été fait par son intermédiaire et en vue de lui, par lui et en lui. Donc il n'y a rien de l'expérience humaine, des personnes, des cultures, rien de tout ce qui est créé qui ne soit en lien avec le Christ. Et c'est ce qui fait que nous pouvons dialoguer, parce que tout a été fait par lui et en vue de lui. C'est là que se fonde le dialogue chrétien. Et cela peut nous permettre de dire, sans qu'on se scandalise, qu'on peut même comprendre quelque chose de bien qui serait caché dans le démon. Attention, je ne suis pas devenue fou. Si vous lisez l'Évangile, c'est quelque chose que j'aime toujours souligner, les plus belles professions de foi, c'est les possédés qui la font. Ils s'adressent à Jésus en disant « Nous savons qui tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu. » Même le démon n'échappe pas à cette confrontation avec le Christ. Alors là où nous trouvons la vérité, nous devons être absolument intéressés pour la faire émerger, pour la souligner. Et cela signifie que le dialogue n'est pas une stratégie. C'est une profession de foi. Et là où des croyants ne sont pas disposés à dialoguer, ils manifestent leur apostasie.
Le dialogue, c'est la déclaration la plus grande qui montre que le Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et je crois que cela, c'est éclatant chez Giussani. Quand on s'approche de cet homme, ce qui est intéressant, ce n'est pas d'être d'accord avec lui. Ce qui est intéressant, c'est de voir en lui se refléter la lumière de quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire qu'il existe une vérité pour laquelle il vaut la peine de vivre. Mais cet homme, d'où il vient, d'où il naît? Ces applaudissements, ils s'adressent à Giussani et à son témoignage. Non, non, ce sont des applaudissements envers le témoin qui ne l'a pas connu, mais qui en parle. Tu l'as dit au départ, autrement, on aurait pu se rencontrer pour faire un beau cours de lecture sur Giussani, mais ça ne nous parlerait pas comme il nous parle en ce moment à travers ton visage. Il y a quelque chose que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Don Giussani parle d'église, de compagnie, de relations, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Et en même temps que ce que je vais vous dire, je perçois aussi un grand risque et je vais essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. Quand on lit la vie de Giussani, et on remercie Alberto parce qu'il nous en a fourni une lecture profonde avec la biographie qu'il a écrite. Quand on lit Giussani et qu'on voit ce qu'il a fait dans sa vie, on s'aperçoit que la rencontre avec le Christ est une rencontre qui a la catégorie, la caractéristique du don. Ce n'est pas le produit d'une technique, c'est un don qui, à un moment donné, se produit dans la vie, comme un événement traumatique. Et quand je dis traumatique, ça veut dire que quand cette rencontre se produit, elle marque de manière traumatique un avant et un après. Alors pouvoir rencontrer le Christ de cette manière, c'est toujours un don. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut mettre en œuvre avec une technique. Il ne suffit pas d'être ami pour provoquer cette rencontre, parce que cette rencontre, en fin de compte, elle reste toujours un don. C'est toujours comme cela. Et la seule chose que nous pouvons faire, et ça c'est l'éducation, l'évangélisation, ce n'est pas prétendre dire que si tu me rencontres, c'est sûr que tu vas rencontrer le Christ. Mais à travers des relations, une amitié, une compagnie, réveiller chez les personnes une nostalgie de cette rencontre. Et amener les gens à le désirer au point de prier et de dire « Seigneur, donne-moi cette rencontre ». Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une technique. Et donc, cela nous place tous dans ce qui, à mon avis, est lié à ce que Giussani appelle la mendicité. Au fond, nous sommes des mendiants avec les mains ouvertes qui ne peuvent que désirer obstinément de rencontrer quelque chose qui leur change la vie, le désirer. Et au fond, c'est la racine ultime de la prière. Et donc, je pense qu'une église qui se rappelle et qui peut simplement susciter cette nostalgie, et qui peut faire naître chez les autres le désir de cette rencontre qui est toujours un don et qui n'est pas le fruit d'une éducation, ni le fruit d'un raisonnement qu'on peut répéter par cœur, ni le fruit de la répétition de choses qui, à un moment historique, ont été vraies. Cela ne suffit pas. Il suffit de revenir humblement à ce désir et de susciter réellement ce désir au cœur des hommes. Parce que pour répondre à ce désir, ce n'est plus nous qui entrons en jeu, mais c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela que le catéchisme nous dit que la foi, l'espérance et la charité, ce sont des vertus théologales que nous recevons comme des dons. Elles ne se transmettent pas autrement qu'à travers la dynamique du don. La vie de Giussani
est contemporaine de ce que nous vivons en ce moment historique. Et j'étais touchée par ce texte qui, à mon avis, est terrible comme prophétie, extrêmement claire. On dirait qu'il l'a écrit ce matin, et non il y a des années. Voyez comment Don Giussani regarde la réalité et dit quelque chose de la réalité. En parlant des jeunes, des personnes et de la réalité qu'il a devant lui, il dit « Il y a une sorte de plagiat, d'emprise qui est réalisée par la mentalité dominante, si bien que les personnes, les jeunes, ont beaucoup de mal à faire susciter une vie convaincue, vaincue et convaincue. » Et il ajoute « Même dans ce que nous annonçons aux autres. » D'un côté, on reste abstrait dans le rapport avec soi-même, comme si on était affectivement déchargé. Don Giussani, on se décharge immédiatement par rapport au passé, comme des piles qui, au lieu de durer 6 heures, durent 6 minutes. Et de l'autre côté, par contraste, ce sont les termes de Giussani, on se réfugie dans la compagnie comme dans une protection. On n'a pas assimilé réellement ce qu'on écoute et ce qu'on voit. Vous voyez quelle est la prophétie de cet homme? Alors la compagnie, les relations, l'Église ne sont pas une coquille, mais un arc qui me projette vers l'avant. Ce n'est pas la recherche d'une rive rassurante, d'une appartenance qui nous met à l'abri du large, mais c'est exactement le contraire, se sentir tellement appartenant à quelqu'un que l'on peut prendre le large et prendre au sérieux la parole que dit Jésus « Duc in altum », prenez le large. C'est parce que nous sommes amis que nous pouvons oser et pas parce que nous avons peur d'oser, alors nous nous réfugions dans l'amitié entre nous. Quelle puissance et combien cela peut nous faire résonner et nous convertir en ce moment, même lorsque, en tant qu'Église, nous nous contentons de construire des coquilles. Giussani anticipe ce que le pape François ne cesse de répéter depuis des années. L'Église en sortie, ce n'est pas un slogan, c'est l'attitude de ceux qui ne se sentent pas protégés, rassurés, confortablement dans cet environnement, mais cette appartenance leur permet d'arriver aux limites de la terre, ce que le pape François appelle les périphéries existentielles. Don Giussani a suscité des personnes capables d'aller dans les périphéries existentielles, géographiquement, humainement, spirituellement, culturellement. Et où est-ce qu'on trouve le courage d'entrer dans de prendre le large si ce n'est dans cette appartenance? C'est une belle question que nous pose Giussani. Est-ce que nous sommes cette Église-là? Je sais que j'ai déjà trop parlé, donc je voudrais arriver à la conclusion de ma réflexion. Ces derniers jours, je tenais un cours d'exercice spirituel à un groupe de prêtres et j'ai eu l'occasion de lire les pages d'un homme, un grand maître de vie spirituelle, mort récemment lui aussi, un moine trappiste, André Louffy. Et en lisant une page de cet auteur, j'ai pensé qu'il décrivait magnifiquement le père Luigi Giussani. Je veux vous lire cette page en sorte de conclusion, en guise de conclusion de ma réflexion. De toutes les choses qu'un père donne à son fils, sa parole, c'est probablement l'une des plus essentielles. Les paroles d'un père équivalent presque au don de la vie. Un père muet ou aphone ne serait pas capable d'assumer son rôle vis-à-vis de son fils, parce qu'il ne suffit pas que le père génère et donne la vie. Il faut aussi qu'il la prenne en charge, qu'il l'oriente et lui donne un sens. Il faut qu'il l'appelle par son nom. Autrement, la vie de son fils restera pour toujours informe.
une masse de possibilités infinies mais indéterminées et qui ne font rien, feront rien naître du tout parce qu'aucun père ne l'aura réellement libéré en lui donnant un nom et une identité. À travers sa parole, tout père génère une deuxième fois son enfant et il le projette avec confiance dans l'aventure de l'existence. J'ai dit dès le départ qu'il est impossible de mettre Don Giussani dans une case. On peut dire de lui ce qu'on lit dans l'évangile adressé à Saint Jean-Baptiste qui dit « Jean n'a fait aucun signe, aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de Jésus était vrai. » Et en ce lieu, beaucoup ont cru en lui. Je crois que c'est ce qu'a été Don Luigi Giussani, un père qui a offert au monde le miracle de dire des choses vraies vis-à-vis du seul pour lequel il vaut la peine de dire quelque chose, Jésus-Christ. Merci. Tu dois réserver les dates pour le meeting de l'année prochaine et tu peux choisir les jours. Merci. Merci pour nous avoir redonné en arrière John Giussani encore vivant. Et non comme non pas comme le souvenir de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui ont eu le privilège de boire et de manger avec lui, mais comme quelque chose qui, avec sa mystérieuse présence, redonne la vie et l'énergie à la vie de plusieurs d'entre nous et dans le monde. Mais en particulier, pour moi, a été une surprise ta vie avec ton histoire, le chemin que tu es en train de faire. Merci. Et maintenant, on donne la parole à Davide Prosperi. Merci, bonsoir à tous. Je remercie le meeting de cette invitation qui nous permet, comme nous le voyons, d'entrer une fois de plus au cœur de Don Giussani que nous aimons tant. Et je dois dire que tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, du moins c'est comme cela que je l'ai perçu, me simplifie ma part de travail pour cette rencontre, parce que beaucoup de ce que je voudrais dire ont déjà été dites en d'autres termes, avec les termes qui naissent de l'expérience d'autres, donc à partir de votre expérience. Et je confirme ce que disait le père Luigi Epicocco au début. Je le dis maintenant avec mes propres mots. Au fond, la vérité d'un charisme, la vérification d'un charisme réside dans le fait qu'il parle pas seulement à ceux qui le vivent, mais à tous. Et je pense que c'est l'un des grands mérites de cette sélection. Donc je remercie les éditions Rizzoli et Massimo Turchetta d'avoir prévu cette anthologie pour l'année du centenaire, parce que c'est un recueil très précieux qui va pouvoir contribuer à faire connaître et à approfondir aussi à ceux qui connaissent déjà
le message éducatif et l'enseignement passionné de Don Giussani. Parce que cet enseignement qui a marqué beaucoup d'entre nous, pas seulement nous, mais aussi beaucoup de croyants et de non-croyants dans le monde. Alors, je vais tirer de cette anthologie quelques-unes des citations que je vais reprendre maintenant. La première chose que je veux dire, c'est que parcourir les titres des extraits qui sont recueillis dans ce volume a fait renaître en moi la gratitude pour cet immense don qu'ont été la vie et le témoignage de Don Giussani. J'en cite quelques-uns. La personne renaît dans une rencontre. La prétention chrétienne. Dans la simplicité de mon cœur, je t'ai tout donné joyeusement. Reconnaître le Christ. Femme, ne pleure pas. Le courage de dire moi, chère beauté, etc. La passion pour l'homme, nous le savons, ce n'est pas un hasard que ce soit le titre du meeting pour l'année de sa naissance. La passion pour l'homme qui émane de ces textes tire son origine pour chacune de ces virgules de la rencontre avec celui qui seul rend l'homme vrai. Le seul qui accomplit l'homme. Et qui le rend donc à son tour passionné de la réalité et du monde. Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de page, il n'y a pas de ligne ou de mots dans ce livre duquel n'émerge toute l'affection, l'émotion profonde et la foi lourde de raison, et ça c'est une caractéristique essentielle de l'enseignement et de l'expérience de la vie de Giussani, une foi lourde de raison qu'il met en jeu et qu'il définit lui-même comme quelque chose de l'autre monde. Je cite, « Le mystère, l'infini auquel tout homme aspire, consciemment ou non, l'infini est avec nous. Il est dans notre bateau, dans le même bateau que nous. » Et Giussani dit, même dans la liberté qui le reconnaît. Ça se trouve aux pages 218 et 219 du livre. La passion de Giussani, en ce sens, sa passion pour communiquer ce beau jour dont parlait Alberto dans l'introduction de cette rencontre et dont lui-même a fait l'expérience comme ce début, ce moment initial, lourd de promesses, plein de promesses dans lequel il y avait tout était déjà là comme un embryon qui attend pour se développer. Il a toujours été entièrement tendu à nous éduquer, à reconnaître le Christ présent dans les replis de l'existence, donc aussi de notre existence, à dire oui avec toute notre liberté, sans rien laisser de côté, sans rien censurer de notre drame, y compris de notre néant. Parce que c'est comme cela que nous percevons souvent dans l'aridité de notre vie. Pour chacun d'entre nous, Dieu est une compassion, une pitié, une passion. Qui peut rester indifférent à une telle promesse, un tel regard plein d'espérance pour sa vie? Je crois qu'ici, toute la grandeur éducative de Giussani
trouve son cœur battant, que je voudrais essayer de décrire maintenant à ma manière et selon mon expérience. Alors, je pars de cette note que l'on trouve au début du livre. Cette note des éditions Rizzoli qui a déjà été citée et qui dit « Don Giussani était le plus grand éducateur du XXe siècle ». Ce n'est pas une exclamation hyperbolique comme cela pourrait sembler. Mais on est certainement tenté de se demander comment et pourquoi il peut y avoir du sens d'oser une telle définition, comme des amis de Don Giussani qui nous remplissent de gratitude. Mais il faut aller au fond, au cœur du sens d'une telle expression, non seulement pour souligner l'unicité, mais pour souligner la signification, c'est-à-dire de quelle manière il a été vraiment un éducateur. Et qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui à nous, à moi que je dois éduquer mes enfants et mes amis et moi-même. Don Giussani a été tout d'abord, non seulement ça, mais tout d'abord ça, un éducateur. Et c'est de ça, tout d'abord, que je veux parler. Je veux aussi souligner que, comme tout le monde sait, non seulement pour ceux qui l'ont connu personnellement, Don Giussani est vraiment, c'est vraiment compliqué de renfermer Don Giussani dans une définition. Mais il a été plusieurs choses. Certainement, il a été vraiment quelqu'un qui a vraiment bien connu l'homme, mais en même temps qui a bien connu Christ aussi. Il a été aussi un grand communicateur de cette connaissance. Il a eu une capacité de communiquer qui était vraiment surprenante. Il a été donc aussi un grand orateur. Il a été quelqu'un qui était vraiment passionné, un passionné écouteur et interprète de la musique. Un lecteur passionné de plusieurs œuvres classiques. Il a été un poète. Parce qu'au fond, toute sa vie a été poésie. Mais il a été aussi peintre. Parce que à travers ses mots, il était capable de peindre face au regard de ceux qui étaient à côté de lui, et face à ses interlocuteurs et face à notre regard. Il était capable de peindre des horizons et des vies toujours nouveaux, des images qui pouvaient rendre compréhensible ce que souvent semble être incompréhensible à la mentalité commune. Mais si je dois utiliser un mot pour le définir, je dirais qu'il est tout d'abord éducateur. Pour Giussani, donc, c'est qui l'éducateur? L'éducateur est celui qui en avons déjà rencontré d'autres personnes. Et donc, quelqu'un qui s'est passionné au présent et au futur de ces personnes-là, parce que ça, c'est important aussi. Et s'étant passionné à leur visage dans le monde, il veut les aider pour les faire grandir dans les chemins vers leur destin. Mais envers leur destin veut dire, signifie aussi, les aider aussi à comprendre leur utilité pour le monde. Parce que c'est la question que tout le monde a. Je pourrais donner plusieurs exemples, même personnels, de ça, mais je préfère utiliser une image.
Donc, on peut imaginer que plusieurs de ses collaborateurs, les plus proches collaborateurs, pourraient être comparés à une rivière qui descend d'une montagne de manière très puissante. Et quelques habitants du village commencent à s'agiter et s'adressent donc à l'ingénieur. Voilà, Giussani pourrait être à son tour comparé à cet ingénieur que, au lieu de s'impliquer pour arrêter l'arrivée de la rivière, des œufs de la rivière, il a eu l'intelligence de construire des digues fortes en transformant la menace de cette force de la nature dans une énergie qui peut être utile pour la communauté. Et donc, de plusieurs personnes, on pourrait dire que c'est vraiment ça qui s'est passé grâce à la compagnie qu'ils ont eue des Giussani. Donc, Giussani, en plus, a été animé d'une grande capacité de rencontrer les autres. Avant, on parlait du dialogue. Et pour ça, il pourrait être considéré comme un ami dans la responsabilité des mouvements. Par exemple, quelqu'un qui conduit simplement le taxi ou quelqu'un qui rencontre à côté de soi dans un tram ou un train. Il pourrait être simplement l'étudiant de l'université où il enseignait. N'importe où il était, mais il n'a jamais vu n'importe quelle personne comme un étranger. Mais au contraire, pour lui, chaque personne était un don qui lui était donné. Et donc, par conséquent, c'était une responsabilité. Par conséquent, ce n'est pas étonnant le fait qu'un événement comme les meetings ait encore rejoint la 43e édition sans donner des signes de fatigue. Parce que le meeting naît de la même source vitale, de la même rencontre. Plusieurs personnes qui l'ont rencontré peuvent en fait témoigner ça. Moi aussi, j'ai eu la chance de l'avoir connu, de l'avoir fréquenté pendant plusieurs années. Et donc, je peux le dire par expérience. C'est mon souvenir personnel, comme plusieurs d'autres personnes. Don Giussani bouvait l'expérience des autres comme une éponge. Cet aspect était vraiment étonnant. Pour moi, était étonnant. Chaque personne l'écoutait comme il écoutait chaque personne comme si c'était la plus importante au monde. Il apprenait. On s'est trouvé face à quelqu'un qui était qui avait un regard et un sentiment humain plus grand que le tien, mais en même temps, on comprenait qu'il était là-bas pour apprendre de toi, que tu as un rien. Et il dédiait et consacrait du temps aux entretiens avec les personnes. Mais en même temps, en raison de la rencontre avec le Christ qu'il avait fait, il restait ouvert à la rencontre avec l'autre pour donner des suggestions et des propositions. Et il ne donnait jamais des ordres. Mais en même temps, il n'était pas allusif. Il ne s'imposait pas sur l'autre. Mais il essayait d'ouvrir toujours des chemins aux autres. D'ouvrir de nouvelles rues vers le destin et vers la vérité. Et il essayait de comprendre ensemble avec l'autre le chemin. Et en le faisant, il respectait à tel point la liberté de l'autre que son premier objectif était celui de éveiller ce qu'on appelle dans les livres l'éducation à la critique.
celui-ci, ceci a un point très important. Et donc, je voudrais citer, à propos de ça, un extrait qui a été tiré du risque éducatif. Et parce qu'en le lisant à nouveau, j'ai beaucoup pensé au temps présent. Il s'agit des trois points principaux de sa proposition éducative. Donc, le premier, proposer de manière, de bonne manière le passé. Donc, la tradition proposée comme hypothèse de travail. Le deuxième point, le passé est présenté comme quelque chose de vécu, dans le vécu présent. Le vécu présent qui souligne la confrontation avec les exigences ultimes du cœur. Et le troisième point, le point clé, la vraie éducation doit être une éducation à la critique. C'est-à-dire que le passé et la tradition, c'est-à-dire le passé et la tradition, et aussi les raisons qui la rendent vivante dans le présent, elles doivent devenir un problème. Et donc, je cite, grâce à l'aide d'une compagnie, on peut dire oui ou non. De cette manière, elle prend la physionomie d'un homme. Il faut se rendre compte de l'estime pour l'humanité qu'il avait. L'estime pour le cœur, l'humanité de chacun. Et plus tard, il fait une autre observation qui est très, très actuelle. Nous, on veut délivrer les jeunes de la servitude mentale, de l'homologation qui rend serveur des autres. Il faut penser que ces mots sont vraiment actuels dans l'ère aujourd'hui, par exemple, des social networks. Surtout pour les jeunes générations. Et ce serait vraiment intéressant d'approfondir cet aspect-là, mais je ne vais pas le faire maintenant. J'arrive au point dont je voudrais parler. Donc, tout d'abord, pour le fait d'être éducateur, Jusan était un père et il était une autorité. Je voudrais parler de ça. Il était un père. Il était père parce qu'il savait participer de la seule paternité qui est celle de Dieu envers sa créature. Combien d'entre nous peuvent vraiment concevoir leur paternité de cette manière? Mais sûrement, cela donne un sens de vivacité, des responsabilités à l'envers de tous ceux qu'on rencontre. Il était une autorité parce qu'il avait la passion de voir grandir l'autre, mûrir l'autre. Donc, autoritas. C'est le mot latin qui indique exactement cette idée de laisser mourir et grandir les autres pour effacer tout risque de possession de l'autre. Au contraire, l'autre doit grandir et c'est la vérification d'une éducation. Comme on a déjà dit, comme un vrai éducateur, il ne renfermait pas l'autre dans une image ou une idée déjà créée, déjà décidée. Mais au contraire, chaque personne pour lui était unique. Et en même temps, il voulait que les autres puissent participer à un rapport plus grand qu'au rapport avec lui. Chaque personne était à l'intérieur d'un horizon et d'une compagnie d'un regard plus grand. À l'intérieur d'une compagnie d'amis qui tirait la raison d'être dans l'initiative de Dieu envers les hommes, dans l'histoire sacrée dans laquelle chacun était auteur unique. J'espère que les choses que je suis en train de dire ne sont pas considérées comme une stratégie d'éducation, parce qu'au contraire, c'est une expérience vécue. Les mêmes textes de Jusani qui se trouvent ici dans ce livre ne sont que de réflexions sur une expérience, cette expérience. Moi, par exemple, si je regarde à mon expérience personnelle, à mon parcours, même professionnel, je dois reconnaître que ce que je suis aujourd'hui a été profondément déterminé par l'expérience de cette compagnie.
qui m'a éduqué à cette conception et à travers cette conception de la vie et de la liberté et de la responsabilité. Aujourd'hui, je suis professeur à l'université de biochimie et je veux encore grandir professionnellement dans un groupe de recherche et essayant de rejoindre, atteindre certains résultats scientifiques. Mais tout ça, beaucoup de ça, je le dois à l'éducation que j'ai reçue. Mais en même temps, exactement pour ça, exactement pour le fait que la responsabilité de notre compagnie m'a demandé un grand engagement. Je me suis consacrée pendant plusieurs années à suivre des communautés dans le monde. Et je suis plein de gratitude pour ça. Et dans le livre de Rizzoli, on trouve un extrait, un passage qui est très beau concernant ce thème. Et il dit, je vous dis une chose très très belle, la forme de cette présence, la présence du Christ dans la vie, de laquelle on part pour arriver à la réalité, pour arriver à cette présence, est en compagnie. Et en compagnie, non pas comme un sentiment d'un vers les autres. Et nous, on réduit plusieurs fois l'amitié à ça. Mais on le trouve dans sa valeur. Excusez-moi si je dis un grand mot. Une valeur ontologique, un événement réel. Il s'agit d'une compagnie comme événement. Giussani nous a indiqué les chemins que le Christ même nous a donné, nous a indiqué un chemin intéressant qui ne manque pas de fatigue, mais qui est vraiment émouvant et qui reste le seul chemin. La condition pour faire face au futur est la certitude d'une présence d'une compagnie. On est des gens qui ont répondu en présence. Et alors la compagnie devient une rencontre, une grande rencontre, un événement pour les autres. Il s'agit d'un événement continu. Combien de témoignages on peut citer de cet événement? Par exemple, le meeting lui-même. Le deuxième aspect important, comme tous les vrais éducateurs, Don Giussani était conscient du temps à passé et présent. Il n'anticipait jamais des doctrines qu'il fallait apprendre. Mais il attendait toujours que la vie de l'autre. Il attendait que la vie de l'autre pouvait s'ouvrir à des indications qu'après, il donnait. Il te laissait découvrir ça dans ton expérience, comme des facteurs de ton expérience, avant que toi-même, tu puisses t'en apercevoir. Et en fait, le trait éducatif de Don Giussani était surtout le fait qu'il n'effaçait jamais la possibilité d'un chemin et d'un travail personnel. Très très célèbre est sa phrase qui dit « Vous ne devez pas vous attendre un miracle, mais un chemin. » Il y a un extrait tiré de mes lectures qui explique ça. Le premier aspect de la liberté est le fait de reconnaître qu'on appartient et comme ça ruse de l'appartenance au Christ. Le deuxième aspect intéressant et décisif de la liberté est le fait de suivre soit le monde, soit Christ. Il n'a pas d'alternative pour lui. Si je dois penser à comment la proposition de Giussani est actuelle aujourd'hui, je pense que c'est le point le plus important, le plus défiant, et même aussi le plus refusé aussi. Le même point qui est plusieurs fois souligné par le pape François, qui a dit que l'éducation
est la naturelle solution à la culture individualiste qui parfois devient un culte individualiste et un primat d'indifférence. Je cite Jussani qui dit « Parler de suivre aujourd'hui peut sembler difficile. » Et en fait, c'est un paradoxe, mais c'est en même temps compréhensible que même dans une époque où un homme s'est laissé transporter par des comportements standardisés qui sont anonymes dans une max, où tout le monde est homologué, se manifeste au moins dans des mots, et le besoin d'une vraie personnalité, le besoin de ne pas se conformer. Mais c'est ici qu'on trouve la grande provocation. À quoi on peut vraiment se conformer de manière consciente en apprenant toujours plus en positif? De quelle manière, en aimant de plus en plus celui auquel on appartient, celui qui a le « ce » majuscule? Un éducateur sait que dans la vie d'un homme, il y a des moments positifs et des moments négatifs. Des moments où on se rapproche, des moments où on s'éloigne. Un éducateur, donc, sait attendre. Il laisse la porte ouverte. Et en même temps, il trouve les chemins pour se rapprocher. Par exemple, par un message, un appel, un mot. Mais il s'agit toujours de chemins qui sont imprévisibles, mais dans la proposition d'une présence. Donc le suivre, c'est-à-dire le fait de suivre Christ, transforme complètement la situation. Et le signe de ça est que le présent devient quelque chose de fascinant, nouveau. Et quand j'ai lu cette partie, je me suis rappelé de l'éditorial sur l'avenir, pour la récurrence de l'assumption du cardinal Zuppi. Même la terre nous semble plus avare de satisfaction et d'enthousiasme authentique. Dernier aspect, le dernier de l'enseignement que nous a offert la vie de Jussani, c'est qu'un véritable éducateur n'est pas un ange ni une personne parfaite. Et là, nous nous sentons soulagés. On devient éducateur en prenant aussi conscience de ses limites, avec humilité, avec ses propres erreurs, quand on les fait, et de la nécessité d'être corrigé. Don Jussani en a parlé à plusieurs reprises en se référant à lui-même. Paradoxalement, la conscience vive de sa propre fragilité le rendait miséricordieusement attentif à la fragilité des autres. Et lui-même, pour en revenir à ce qu'on a dit avant moi, c'est pour cela qu'il s'est défini comme un mendiant. Le véritable éducateur mendie l'accomplissement de sa propre humanité dans l'humanité de son disciple, de son fils, comme de son ami. L'accomplissement de sa propre humanité dans l'humanité de son fils. Je pense que c'est le sens le plus profond du terme communion que Don Jussani a appris à vivre à des milliers de personnes. Permettez que je vous laisse avec un souhait à travers ses propres paroles qu'il adressait à un jeune dans une assemblée avec quelques étudiants, que vous trouverez dans le livre à la page 246. Pour rester jeune, il faut rester fidèle à ce pourquoi on est né, à son propre cœur. Mais le pouvoir a fixé toutes tes exigences et les termes qui le rappellent ont déjà une réponse dans le dictionnaire du pouvoir. Donc, voilà mon souhait pour vous et surtout pour moi, bien sûr. Mets-toi avec d'autres qui veulent rester fidèles à leur cœur. Sois fidèle à ton cœur et à tes amis, et je t'assure que tu iras jusqu'au pôle. Mes amis, il faut admettre
qu'il n'y a pas de comparaison dans le fait, au fait que le christianisme dise que Dieu s'est fait homme et qu'il reste pour moi dans cette compagnie d'amis pour que la jeunesse dure pour toujours. Tu as raison, Don Jus. Il n'y a rien qu'on puisse comparer, même de loin, à cela. Merci. Comme le temps est presque terminé et il y a les présidents de la région qui vont parler, je me limite à deux mots pour remercier les invités. Dans le message du pape pour le meeting, il y a écrit: combien de besoins ont les hommes et les femmes du présent, du temps présent, de rencontrer des gens qui ne donnent pas des cours du balcon, mais qui sortent dans les rues pour partager la fatigue quotidienne du vivre, et qui sont soutenus par un espoir dans laquelle on peut faire confiance. Et je crois qu'aujourd'hui, votre contribution a mis la personne de Jusani parmi ces personnes fiables. Et à ces mots du pape, fait écho l'exposition de Giussani qu'on trouve ici. Et aussi au président dernier de la Fraternité des Communions de Libération, Caron, et qui cite, dit: en ces moments historiques dans lesquels on se trouve souvent complètement bouleversé pour l'incertitude qui domine chaque niveau, le fait de trouver des présences significatives qui nous aident à nous orienter est un don précieux. Parce que c'est la raison de notre gratitude à Don Giussani pour la nouveauté qu'il a introduite dans notre vie et dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Et c'est la motivation, la raison de notre désir qu'on a de partager cette vie et cette découverte avec tous ceux qu'on rencontre, pour faire devenir cher avec tous nos limites l'idéal de l'Église du pape François. J'ai été vraiment frappée le fait que Luigi a souligné la rencontre qui a été pour lui comme le point clé de Don Giussani. Et pape François donc dit: vous savez quelle importance avait pour Giussani l'expérience de la rencontre. La rencontre non pas avec une idée, mais avec une personne, avec Jésus-Christ. De cette manière, il a éduqué la liberté en conduisant vers la rencontre avec le Christ, parce que c'est le Christ qui nous donne la vraie liberté. Mais c'est le point les plus aigus de réponse au défi de la modernité, qui pense être impossible la présence d'une rencontre comme a été décrit, et que cette rencontre puisse être le point clé comme solution à la question des significations de la vie. Et je termine avec une phrase pour moi la plus surprenante de Don Giussani comme un jugement historique et à un chemin qui est à la portée de tout le monde. La culture d'aujourd'hui, l'écrivait, pense que c'est vraiment impossible de connaître et de changer soi-même la réalité seulement en suivant une seule personne. La personne, en fait, de nos jours, n'est pas considérée comme la possibilité de changement. Au contraire, Giovanni et Andrea, les premiers deux qui ont rencontré Jésus, exactement en suivant son exceptionnalité, ont appris à connaître de manière différente et à changer soi-même la réalité. À partir du premier instant de la rencontre, la méthode a commencé à progresser dans les temps. Et il est arrivé jusqu'à maintenant, jusqu'à notre vie. Et une partie de cette vie, pour plusieurs d'entre nous, est les meetings. Et donc, je suis obligée
à vous inviter, à inviter tout le monde à vous identifier avec les postazioni Donna Aura. Ils sont caractérisés par un cœur rouge, symbole du meeting, et sont le geste gratuit de chacun de nous, à partir du premier bénévole au dernier visitateur, le meeting ne pourrait pas exister. Et donc je demande de donner seulement aux points qui sont faits exprès pour donner. Et la nouveauté de cette année est que, comme la Fondation Meeting est devenue une partie du troisième secteur, ceux qui participent et qui soutiennent les meetings peuvent soutenir, obtenir des réductions fiscales en Italie. Merci et bon meeting à tout le monde. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte dove viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte dove viene il grido.